Bonsoir à vous tous, à vous toutes, au Rav Eli Klim, au professeur Benno Gross et à l'organisateur de cette soirée qui, Bezrat Hashem, sera et déjà une très très grande réussite. En tous les cas, dans le cadre de ma petite intervention au sujet d'Israël et des nations, je voudrais juste introduire de la manière suivante. Nos maîtres se sont posé la question, quel sera, le Rav Eli Klim a parlé des signes du retour. Il y a différentes approches de ces signes. Lui a parlé des signes par rapport à la terre d'Israël. Et nos maîtres se sont posé la question, les signes par rapport à l'histoire, par rapport aux événements. Comment peut-on savoir, par rapport à l'histoire elle-même, qu'effectivement, les temps sont des temps pré-messianiques, les temps de la reconstruction, du retour, de la fin de l'exil. Et dans leur langage codé, ils nous expliquent que la différence fondamentale entre toutes les délivrances passées, sorties d'Égypte, sorties de Babylone, sorties de Perse, victoire contre les Grecs, et la délivrance finale, est que toutes les délivrances précédentes se sont faites sous le signe du Nes, c'est-à-dire d'événements qui sont visibles. On voit que véritablement il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Ce qu'on appelle dans nos textes des événements qui sont les Mala Mina Teva, au-dessus de la nature. Donnons un exemple simple, la sortie d'Égypte. Des miracles absolument incroyables, les 10 plaies qui se terminent par le plus grand de tous, l'ouverture de la mer. Après, c'est déjà un petit peu moins évident, je ne vais pas m'étendre, mais il se passe encore des choses qui sont véritablement surprenantes. Le retour d'Israël, la reconstruction du deuxième temple, avec Cyrus. Cyrus, un Perse, qui tout d'un coup se met à devenir un grand ami d'Israël et supplie les Juifs de quitter la Babylonie, ouvre ses trésors, ouvre ses coffres-forts, donne une partie de son armée à Israël, les supplie de reconstruire le temple et de prier le Dieu d'Israël pour la réussite de la Perse. Quelque chose d'absolument incroyable. C'est vrai que même les miracles de la sortie d'Égypte, ceux qui ne voulaient pas les voir, ne les voyaient pas. Les Égyptiens ne les ont pas vraiment vus. 4/5 d'Israël sont restés en Égypte. Mais avec un minimum de bon sens et d'émouna, c'était clair que quelque chose d'absolument incroyable se passe. La victoire contre les Grecs, on en a fait une prière. Rabim Beyad Me'atim, Geborim Beyad Chalashim. Les puissants, les nombreux, sont tombés dans la main des faibles et peu nombreux. Donc, des événements qu'on appelle, avec bien sûr toutes les nuances, les plus grands nissim, les plus grands miracles, étaient ceux de la sortie d'Égypte, mais ça reste des événements où, avec un minimum de bon sens spirituel, on se rend compte que quelque chose d'absolument incroyable se passe. Par contre, disent nos maîtres, la délivrance finale se fera sous le signe des Niflaot. Non des Nissim, mais des Niflaot. Je ne vais pas traduire en français parce que la traduction est trompeuse. Prodige. Quelle est la différence entre Nes et Niflaot? Niflaot vient du mot Pélé. Ça veut dire des événements où apparemment, même avec un grand effort, on ne peut pas véritablement dire que c'est un miracle. On ne voit pas véritablement le miracle. Mais la main d'Hachem est là et avec. Ou pour celui qui véritablement fait l'effort et veut voir la main d'Hachem, ce qu'on appelle la providence, la Hashgacha, on se rend compte que les événements sont absolument incroyables. Mais, à la différence du Nes, c'est un Pélé. Pélé, quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça veut dire qu'on n'a pas de prise, ni intellectuelle, ni logique, et encore moins au niveau de nos regashot, de notre ressenti, on n'a pas de prise sur l'événement. Tellement il dépasse l'entendement, on sait niflaot levado,
il n'y a que le maître du monde qui sait qu'il est en train de faire des choses absolument incroyables pour amener la délivrance. Donnons un exemple tellement actuel. Et évidemment, ce que je vais donner comme exemple peut être démonté sans aucun problème. Et c'est normal, puisqu'il s'agit de Niflaot et non de Nissim. Ce qui se passe tout autour de nous, en Égypte, en Syrie, d'une manière générale, ce qui se passe dans le monde musulman, les chiites, les sunnites, les salafimes, est-ce que vous imaginez si tout le monde musulman était uni contre nous? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous pensez qu'avec tout le respect qu'on doit à notre armée, on pourrait s'en sortir? C'est absolument impossible. Imaginez-vous 2 milliards de musulmans, tous main dans la main contre nous. Quel est le pélé? Le pélé est que Hachem met à l'intérieur de ce monde de telles dissensions, de telles haines, que finalement ils se haïssent et se font du mal les uns aux autres, plus encore qu'ils nous haïssent et sont prêts, chas v'shalom, à nous faire du mal. On pourrait rapporter des versets qui disent que l'un des signes de la délivrance finale, des sirsarti mitzraïm ben mitzraïm, je dresserai une partie de l'Égypte contre l'autre. Ce sont des versets explicites. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment parler de Nissim. Pourquoi? Parce que l'historien qui veut expliquer pourquoi il y a tel ou tel conflit en Syrie ou en Égypte, pourquoi il y a les sunnites et les chiites, trouvera mille et une raisons pour expliquer l'origine des conflits et leur raison d'être sans faire allusion au maître du monde. C'est un télé. On ne peut pas prouver que quelque chose de complètement surnaturel se passe. Mais dans ce monde, les événements se mettent en place d'une manière extraordinaire pour préparer le peuple juif à sa délivrance. Et ça, c'est dans le monde qui nous entoure un signe absolument incroyable d'une précipitation des événements qui amène, jour après jour, le peuple juif à sa délivrance. Ce qui se passe autour de nous, dans le monde qui nous entoure, le Proche-Orient, est un véritable miracle. La tombée de la Syrie, bientôt la tombée du Liban, bientôt une guerre civile au Liban, la guerre civile qui n'est plus qu'une question de quelques semaines en Égypte, on ne peut pas imaginer les niflaot absolument incroyables que nous vivons en ce moment. Mais dans la routine, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que si on avait une petite mer qui s'ouvre, ça serait beaucoup plus impressionnant que la guerre civile en Syrie. C'est évident. Si on avait tout d'un coup une petite invasion de sauterelles quelque part dans les Émirats arabes, ça serait sans doute beaucoup plus impressionnant que ce qui se passe en Égypte. Mais on nous demande à nous, peuple juif, d'être à la hauteur de ces niflaot. Le maître du monde est en train de préparer, au niveau des événements mondiaux, la délivrance du peuple juif. Maintenant, on sait que l'et davar de l'orémisa de Oraïta, il n'y a pas une chose dont il n'y a pas une allusion déjà dans la Torah de Moshe. À plus forte raison, la chose la plus importante de toutes, qui est la délivrance d'Israël, forcément, il y a une allusion dans la Torah de Moshe. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a des dizaines. Certaines sont extrêmement cachées. On ne peut les comprendre que grâce au secret de la Torah. D'autres sont plus visibles, à la portée de gens comme vous et moi. Mais d'après nos maîtres, d'après nos sources, il y a eu un événement qui était d'une certaine manière le microcosme de la délivrance finale, du début jusqu'à la fin, microcosme d'une délivrance qui n'était pas véritablement la délivrance, mais qui nous montre ce que peut être la délivrance et les problèmes qui accompagnent la délivrance et qui vont nous permettre de comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui. Le don de la Torah. Pourquoi le don de la Torah? Le don de la Torah, on est habitué à le voir comme un événement uniquement religieux, spirituel. Mais le don de la Torah, lorsque l'on regarde ce que disent nos maîtres, avait aussi une dimension nationale et internationale.
Nos maîtres nous disent qu'au moment où la Torah est donnée, le chiboud des nations a cessé. C'est-à-dire que l'intention des nations de soumettre Israël a cessé. Israël, à ce moment-là, s'est débarrassé du joug des nations. Comprendre concrètement qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain de l'histoire, car il est absolument évident que lorsque nos maîtres nous lancent un enseignement, c'est extrêmement fermé, et il ne faut absolument pas s'imaginer que ça y est, on l'a lu, on l'a compris. L'enseignement est une clé qui ouvre la porte au trésor. Mais si quelqu'un a reçu la clé et reste devant la porte et ne l'ouvre pas, à quoi lui sert la clé? Si quelqu'un reçoit un enseignement des maîtres d'Israël, mais ne cherche pas plus loin ce que cela signifie, à quoi lui sert l'enseignement? Et donc, comment peut-on comprendre que tout d'un coup nous recevons la Torah, et dans le monde, les nations sont prêtes à lâcher prise sur notre peuple? Qu'est-ce qui se passe dans le contexte historique? Dans le contexte historique, on comprend. Ce peuple est en train de naître. Il est le premier peuple qui a osé la liberté et qui a réussi son pari de liberté. Aucun peuple, ni même, disent nos maîtres, aucun esclave n'était encore arrivé depuis la création du monde à briser les chaînes de l'esclavage. Celui qui naissait esclave le restait jusqu'à la fin de sa vie. Le monde était partagé entre les forts et les faibles, les maîtres et les esclaves. Et voilà qu'un peuple d'esclaves brise l'ordre établi depuis des millénaires. C'est évident que, indépendamment de toute la dimension religieuse, il y a ici quelque chose d'absolument incroyable. Le monde est en émoi. Le monde est en train de regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce peuple a-t-il pu remettre en cause des lois qui nous paraissaient être des lois naturelles? De la même manière que le feu brûle, que l'eau mouille, qu'en été il fait chaud et qu'en hiver il fait froid, il y a aussi des règles dans l'histoire. Il y a les forts, il y a les faibles, il y a les maîtres et les esclaves. On n'a jamais vu qu'ils se mettent à faire froid en plein été dans le Sinaï, et on n'a jamais vu qu'ils se mettent à faire chaud en plein hiver en Sibérie. Comment les esclaves se sont-ils révoltés? Le monde est en attente. Et voici que ce peuple sort et se dirige vers sa terre. Et qu'est-ce que nous lisons dans la Shira? Tous les peuples savent que personne ne pourra l'arrêter. C'est vrai, il y a cette intervention d'Amalek qui essaye, mais peu importe. Les peuples, et surtout les Cananéens, tremblent. Tout le monde sent, et je ne fais pas du tout allusion à quelque chose de religieux, je parle de ce qui se passe sur la scène internationale. Sur la scène internationale, les reporters, les journaux, les caméramans, tout le monde est là, le Times, le Nouvel Observateur, tous les journalistes et tous ceux qui parlent de l'histoire et qui expliquent l'histoire sont là et vivent avec Israël l'expérience de quelque chose qui va peut-être prouver que ce qu'on croyait être des lois, le déterminisme, non, il y a autre chose. Et si ces lois peuvent être remises en question, c'est donc bien la preuve qu'il existe autre chose. Et voilà qu'Israël est en train de réussir. Et au moment du don de la Torah, disent nos maîtres, les nations ont lâché prise. Les nations ont reconnu que oui, ce peuple avait réussi. Et alors, pourquoi ça n'a pas marché? Puisque après, on en a pris pour 3500 ans d'exil. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Je n'ose pas vous le dire. Surtout, si peu de temps après Tisha B'Av, on ne va quand même pas faire du Lashon Hara. Ça n'a pas marché à cause de qui? À cause d'Israël. C'est Israël qui a cessé d'y croire. Ils ont fait un veau d'or, a prié les explorateurs, etc., etc. Si on regarde ce que dit ce Midrash, c'est quelque chose de fou et de bouleversant. Le monde, l'histoire peut se trouver dans une situation où les nations sont prêtes à reconnaître la grandeur d'Israël, et qui ne le reconnaît pas? Israël lui-même. C'est Israël qui a un problème. Alors évidemment, dans un cours de religion, on va dire c'est Yetzer Hara. Mais soyons sérieux.
L'histoire, ce n'est pas de la religion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Israël, au moment où toutes les nations sont prêtes à reconnaître sa grandeur, c'est Israël qui se tire une balle dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'histoire a véritablement changé? Pas vraiment. Les formes changent, mais jamais le fond. Jamais le fond. Encore une fois, je ne resterai pas sur une touche pessimiste, ne vous inquiétez pas, et encore moins quelques jours de Tisha B'Av seulement. Les Américains, qui depuis plus de 30 ans tiennent de la manière la plus injuste jamais commise à l'encontre d'un citoyen américain, tiennent en prison depuis plus de 30 ans un innocent, dans le sens qu'il est innocent par rapport à la peine qu'il endure, nous demande à nous de lâcher les assassins. Et qui est le peuple qui va lâcher les assassins? C'est le peuple juif. C'est Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que l'histoire est véritablement ombre et lumière. Et bien sûr, je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi. D'un côté, comme je l'ai rapidement expliqué, sans bien sûr le fonder, le prouver, comme l'a dit le Rav Klein, la terre d'Israël redonne ses fruits, le retour, le kibbutz galouyot, tous les signes prévus, prédits par nos prophètes sont là et se réalisent les uns après les autres, jour après jour. Bien évidemment que le processus de délivrance a commencé. Même les signes des Niflaot, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la scène internationale, où on voit des choses folles se passer, qui ne peuvent pas avoir d'autres explications pour un homme qui a la Emouna que la main véritable d'Hachem, comme ce qui se passe en Égypte, en Syrie, peu importe, partout, et même d'une manière générale dans le monde, les crises économiques, la fin de l'Europe. L'Europe est en train de disparaître. Peu importe si elle disparaît au profit de peut-être pire, mais peu importe. On voit la fin des mondes, on voit la fin des empires, et la disparition de Édom sous la botte d'Ishmaël est écrite dans nos livres depuis des millénaires. Atid Ishmael, et une autre girsa, Atida Paras, mais Atid Ishmael, leit pashet bechol haolam kulo. Un jour viendra où Ishmael se répandra dans le monde entier. C'est un des signes éminents de la délivrance. Mais ce sont des niflaot, pas des nissim, parce qu'on peut tout expliquer sans faire allusion à Dieu. Des niflaot. Mais nous, qui avons reçu cette clé, qui nous permet d'interpréter les événements, nous savons que ces événements-là sont signes de notre délivrance. Et donc le monde se prépare à cette délivrance, conscient ou non. Les événements sont là. Mais à chaque fois que le peuple juif est véritablement proche de sa délivrance, à ce moment-là revient dans l'histoire le grand test. C'est quand même pas vous qui allez freiner la délivrance. Et de nombreuses fois dans notre histoire, c'est nous qui avons freiné notre délivrance. D'une autre manière, à l'époque de Cyrus, bien que là, on n'était pas encore vraiment dans la délivrance finale, mais lorsque Cyrus, d'une manière complètement miraculeuse, se met à devenir le plus grand ami et bienfaiteur d'Israël, au point qu'il est appelé Messie, Mashiach dans la Torah, Mashiach Hachem, quand même, 4/5 d'Israël refusent de monter en Eretz Israël. Seulement 1/5 monte. Le Talmud raconte une histoire qui se passe quelques siècles après la montée de Ezra à l'époque du roi Cyrus. Rabbi Zera, qui était un Babylonien, qui lui avait un grand amour pour la terre d'Israël, et qui avait la chance ou la malchance d'avoir un des plus grands maîtres du Talmud pour maître, Rabbi Yehuda, qui lui interdisait à ses élèves de monter en Eretz Israël parce qu'il disait que les grands yeshivot se trouvaient en Babylonie. Rabbi Zera,
à montrer l'exemple pour toutes les générations, tu écoutes ton maître dans tous les domaines, sauf lorsqu'il te dit « ne monte pas en Eretz Israël ». Il est monté en Eretz Israël. Mais comme ce n'était pas un bon nageur, il a voulu traverser le Jourdain et il a commencé à couler dans la région de Tibériade. Au secours, Resh Lakish, l'élève de Rabbi Yochanan, qui se trouvait dans cet endroit, il faisait une bonne doute ou une bonne noute, peu importe, entend des cris, il court, il voit un maître babylonien en train de se noyer, il lui dit, prends-moi la main, le noyer. Resh Lakish lui dit, crève, reste dans l'eau. Pourquoi crève, reste dans l'eau? Parce que le maître du monde vous haït. Comment il nous haït? Parce que si vous étiez montés tous à l'époque de Ezra, on n'aurait pas eu toutes les catastrophes qui sont venues après. Donc, on voit que le texte dit clairement qu'il y avait une occasion de précipiter la délivrance. Et à ce moment-là, ceux qui l'ont empêché n'étaient pas les nations, puisque Cyrus disait au contraire, partez tous et construisez le temple du maître du monde. Qui a empêché? Israël lui-même. Et à de nombreuses reprises dans notre histoire, c'est ce qui s'est passé. Ne croyez surtout pas qu'il y a la moindre critique dans ce que je dis. Loin de là. Parce que comme le disent nos maîtres, on n'éprouve que l'effort. Lorsque l'on veut tester du pishtan, disent nos maîtres, du lin, on tape dessus très très fort. Et la qualité de lin qui ne part pas en lambeaux, c'est avec elle qu'on fait un habit. Le peuple juif est l'habit du maître du monde, est l'habit du roi. Et c'est la raison pour laquelle les épreuves que nous avons sont effectivement des épreuves qui dépassent l'entendement. Et il va falloir de nombreuses et de nombreuses fois jusqu'à ce que finalement nous devenions cet habit. Mais fondamentalement, c'est toujours la même chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif se dit, on n'y arrivera pas. C'est trop dur. C'est pas possible. À chaque fois, l'épreuve change de forme. Mais c'est toujours le même fond. Est-ce que l'on peut, face au monde qui fait pression, face aux Américains qui font pression, face au monde entier qui nous demande de partager cette terre, de partager Jérusalem, est-ce qu'on peut dire non? Mais si on savait lire dans le fond du fond du fond du fond de la pensée des nations, on lirait la chose suivante. Nous vous en supplions, enfants d'Israël, tenez bon, ne lâchez pas. Prouvez que vous êtes véritablement le peuple du maître du monde. Finalement, on arrivera à surmonter cette épreuve. Nos prophètes, tout ce qu'ils ont dit jusqu'à présent s'est déjà réalisé, comme la terre qui redonne ses fruits. Et nos prophètes nous ont dit aussi, un jour viendra où Israël sera comme une brebis au milieu de 70 loups. Et cette fois-ci, ils n'auront plus qu'un seul soutien qui leur permettra de tenir. Pas les Américains, pas la reconnaissance internationale, pas tout ce qui nous fait trembler rien qu'à penser qu'ils pourraient nous lâcher. Ils ne se tiendront que sur le maître du monde. C'est une haftara d'ailleurs. Nos prophètes nous ont dit qu'on finirait par y arriver. Comme un peuple se construit aussi par une multitude d'individus, pour construire cette force nationale qui est notre certitude que nous sommes, bien que le plus petit des peuples, le plus fort de tous les peuples, et je ne parle pas uniquement, bien que c'est oui très important, mais je ne parle pas uniquement d'une force militaire et économique qui est très importante et indispensable, mais je parle surtout d'une force morale, plus encore même que spirituelle. Nous sommes le peuple le plus fort de tous les peuples sur le plan moral. Pour que nous puissions dévoiler cette puissance, cette force nationale, il faut que chacun d'entre nous, en tant que citoyens israéliens, commencions à la dévoiler dans notre vie individuelle.
cessez d'avoir peur du monde qui nous entoure. Peur du minus à la banque, peur de mon mari, peur de ma femme, peur de mon voisin, peur des maladies, peur de mes angoisses, peur de mes cauchemars. Kol bnei Israël bnei Melachim em. Nous sommes un peuple de rois. Un juif, il doit avoir la tête haute. Un juif, quand il parle, il doit parler de haut. Un juif est un roi, un ben meler. Le Talmud rapporte une discussion extraordinaire avec Rabbi Shimon bar Yochai au sujet du Shabbat. Quel genre de parfum une jeune fille peut-elle utiliser? Alors, sans rentrer dans les détails, les Chachamim disaient que les filles pauvres ne peuvent pas mettre un certain parfum, une certaine huile sur elles, même si elles ont la chance d'en recevoir d'une jeune fille riche, parce que comme ce n'est pas quelque chose d'habituel pour une jeune fille pauvre de se mettre ce genre de parfum, donc c'est quelque chose qui n'est pas habituel, on ne le fait pas Shabbat. Donc elles doivent, même le Shabbat, même mettre le parfum d'huile standard qu'elles mettent d'habitude. Quand Rabbi Shimon bar Yochai entend ces choses, il dit comment ? Kol bnei Israël bnei Melachim em. Tous les juifs sont des fils de rois. Et alors, techniquement, aujourd'hui, cette fille, elle est pauvre. Mais dans son essence, c'est la fille d'un roi. Et si elle a envie de se parfumer avec le parfum d'une reine, eh bien, Magiala. On doit apprendre, et ça fait partie de notre devoir de notre génération. Ça ne suffit pas uniquement de savoir ce qui est en soi véritablement juste. Ça ne suffit pas de savoir que nous sommes la génération de la délivrance. Il faut vivre comme des juifs libérés. Et vivre comme des juifs libérés ne signifie pas uniquement, bien que c'est la condition sine qua non, mais elle n'est pas suffisante. La condition sine qua non, c'est de vivre en Eretz Israël. Mais après, commence le travail de la construction morale. Un juif de la génération de la délivrance est un juif qui relève la tête, qui n'a plus peur du monde et qui, dans chaque situation, sait à l'avance qu'il gagnera. Netzar Israël lo yeshaker. Le peuple de la délivrance est un peuple de vainqueurs. Et lorsque l'on construit, dévoile, renforce cette qualité en nous, alors les nations, et dans notre génération plus que jamais, qui attendent de voir notre peuple se relever sur le plan moral. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, consciemment ou non, ce qui n'enlève rien à leur faute, quoi qu'il en soit, mais c'est la raison pour laquelle, une fois c'est les Américains, une fois c'est les Européens, peu importe, les nations sont utilisées pour tester notre puissance morale. Très prochainement, dans notre génération encore, se lèvera tout un peuple, le peuple de rois que nous sommes, et nous dirons, cette terre est à nous, du Nil à l'Euphrate, sur les deux rives du Jourdain, Jérusalem ne se partage pas, et tout ce qui n'est pas juif n'a pas de place ici, sur la terre du Maître du Monde. Le jour où le peuple juif arrivera à dire cette chose-là, et croyez-moi, c'est pour notre génération, à ce moment-là, les Américains diront, eh ben, il était temps, depuis le temps qu'on attendait que vous soyez capable de parler comme ça. Et toutes les nations nous applaudiront, et l'incroyable se réalisera. Ce que nous pensions être une parole suicidaire deviendra, Bezrat Hashem, la parole de la délivrance. Amen. Le Rey Yatsan. Bravo. Merci pour le cadre de votre passion, de votre conviction. Nous en avons plein besoin, comme je l'ai dit en préambule. Vous avez des questions dans la salle à poser au Rav? Oui. Il y a toujours un micro que l'on va emporter. Votre exposé est génial, j'ai à dire. Je sais qu'à l'intérieur, beaucoup de gens vous écoutent, hommes ou femmes, tous les jours. Et je trouve que votre exposé ne devrait pas s'adresser à une population qui est ici et qui est convaincue.
Est-ce que vous dites la même chose à Bibi Netanyahou de façon à ce qu'il arrête de faire des bêtises? D'abord, je sais ça, c'est pas une réunion politique. D'abord, croyez-moi très sincèrement que je ne pense pas que telle ou telle personne est critiquable. Je pense que la situation est une situation qui est hors du commun au niveau des pressions. Je pense que pour des gens comme nous, c'est malheureusement plus facile de parler que d'être opérationnel. Je ne me permets pas de juger que ce soit de la gauche jusqu'à la droite ou de la droite jusqu'à la gauche. Je ne me permets pas de juger celui qui doit prendre des décisions, car il est absolument évident que ce que nous voyons et savons, ce n'est que le haut du iceberg. Il est clair que ce que nous voyons déjà comme style ou type de pression, ce n'est même pas le 0000 de ce qui se dit et ce qui se fait entre quatre yeux. Et j'imagine que les pressions sont des pressions qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc c'est pour ça que ça nous est très très difficile à nous de juger. Et quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à la force ou la véracité de ce que je dis, puisque ce n'est pas moi qui le dis. Je pense rapporter l'esprit de la Torah par mes paroles. Mais le problème est, c'est que aujourd'hui et souvent dans toutes les générations, ceux qui parlent ne sont pas forcément ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir ne sont pas ceux qui reçoivent la parole. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il existe depuis les temps les plus éloignés dans notre peuple. Le fameux partage entre le roi et le prophète. Le prophète a la parole, le roi a le pouvoir, ils ne se sont jamais entendus. Jamais. Toute notre histoire biblique est traversée par des conflits entre le prophète de la génération et le roi de la génération. Donc, en chadash tachat ha-shemesh, il n'y a rien de nouveau. Celui qui prend les décisions a forcément un tempérament beaucoup plus pragmatique et ne peut pas se permettre de prendre des risques et se méfie d'un discours émounatique qui, des fois, semble déconnecté de la réalité. De même, le prophète lui reçoit la parole de Emouna, mais il n'a pas non plus l'exercice du pouvoir. Et donc, chacun finalement a une qualité et un défaut. C'est très difficile d'avoir le couple parfait, le couple politique parfait, un dirigeant inspiré par une parole. C'est d'une certaine manière ce que nos maîtres appellent Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda ou ben David. L'union parfaite entre l'esprit et la réalisation. Mashiach ben Yosef, bien qu'il y a différentes sources selon que l'on regarde après la Chassidoute ou d'après la Kabbalah du Gaon, Gaon de Vilna, mais peu importe, il y a une source qui inspire et une source qui réalise. C'est la situation idyllique, elle est très rare, elle n'a pratiquement jamais existé dans notre histoire, et elle ne se réalisera véritablement, c'est la fameuse Haftara, des deux morceaux de bois dans Yeheskel, Etz Ephraim, Etz Yehuda, que l'on réunit pour devenir un seul bois. Enfin, l'esprit rejoint l'action, et finalement, la parole descend dans ce monde. Nous ne sommes pas des prophètes, et encore moins des gens qui sommes aux commandes de ce pays. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pudeur et d'humilité, et de savoir que la critique est facile, mais très sincèrement, ce qui me concerne, je n'aimerais pas être à leur place, parce que je ne sais pas comment on réagirait si on savait ce que eux savent et si on devait faire face aux pressions auxquelles eux doivent faire face. Mais je pense que l'aide qu'on peut leur apporter, dans la mesure où une nation est un être vivant, c'est comme un corps. Il y a différentes thérapeutiques en médecine où on sait que quand on a un problème quelque part, alors on peut envoyer différentes énergies en renforçant d'autres parties du corps. Je pense que c'est explicite dans nos textes. Un dirigeant est finalement le miroir de sa nation. Que ce soit lui ou un autre, ils n'ont pas été parachutés d'un autre monde. Ils sortent de nos entrailles. Donc s'ils sont comme ça, c'est tout simplement parce que nous sommes comme ça. Ça nous est très difficile d'imaginer que lorsque on reçoit une lettre de la banque et qu'on voit qu'on a un minus de moins 15 ou moins 20, et qu'on tire une tête d'enterrement, et que la première qui paye pour tout le monde, c'est l'épouse, parce qu'elle n'avait pas trouvé son passage à ce moment-là,
on a beaucoup de mal à croire que ça, ça va influencer les actions de nos dirigeants. Mais quel est le rapport? Oui, ça influence. Parce que quand toi, tu es comme ça, et toi, tu es comme ça, et toi, tu es comme ça, toi, tu as peur de 15 000 shekels, et tu veux que lui n'ait pas peur des Américains. Donc, finalement, tout le monde est lié à ce problème. Donc, nous pouvons, nous, en tant que membres de la nation, commencer à réparer la nation lorsque, dans notre vie de tous les jours, on vit comme des rois, on vit comme des héros. Moi, je n'ai plus peur de rien. Et je le transmets à un autre qui le transmet à un autre. Et vous verrez que dans une génération, celui qui prendra la tête des commandes, lui non plus n'aura plus peur de rien. Parce que le Mashiach, c'est nous qui devons le faire sortir de nos entrailles. On n'attend pas une sorte de je ne sais quoi parachuté d'en haut. On attend l'enfant de Knesset Israël, l'enfant qui sort de nos entrailles. Et donc c'est à nous, la mère, de le produire. Lorsque la mère est en bonne santé, elle produit un enfant en bonne santé. Lorsque la mère est malade, qu'est-ce que vous voulez qu'elle produise? Donc, le problème, il est chez nous tous. Soignons-nous, devenons des héros dans notre petit quotidien, et vous verrez que très très vite, comme un feu de poudre de délivrance, les dirigeants qui seront à notre tête seront encore à plus forte raison de véritables héros. Bravo. Encore une question à poser, là. Je crois que la conclusion était suffisamment éloquente, comme tout le reste. Raph, vous parliez tout à l'heure de Cyrus, qui a fait du bien au peuple juif en Babylonie. Mais Cyrus n'était-il pas le petit-fils de Darius, fils de Esther? Non, on ne parle pas du même Cyrus. D'abord, Cyrus, il n'y en a eu qu'un. Ce Cyrus-là n'était pas juif du tout. Après, il y a eu un Darius, il y a eu plusieurs Darius. Darius était le nom, comme on dit, roi en français. Darius a voulu dire roi en perse, où c'était un nom de roi comme Pharaon. Il y a eu un Darius qui était juif, le fils de Esther, effectivement, mais qui est venu 4-5 générations après. Mais ce Cyrus-là, qui est appelé Mashiach Hachem, c'est le seul goy dans toute la Bible qui est appelé Mashiach Hachem, c'était Cyrus, un nom juif. Eh bien, je crois qu'on doit remercier le Rav Didovic. Ah, mais je vais poser une question que je ne comprends pas moi-même. J'ai entendu ou lu, je ne me rappelle pas, que la libération viendrait quand tout le peuple se retrouverait sur cette terre. Mais ça, il a été ajouté qu'il faudra qu'il évacue la galoute Yud. Et ça, je ne sais pas comment... ce que ça veut dire et comment on peut le faire. C'est une phrase, si je me trompe pas, a été attribuée à plusieurs grands maîtres, je crois, au Rav Kook. Il me semble à Manitou aussi. Et en tout cas, une phrase qui est très connue, qui dit que ça ne suffit pas de sortir les Juifs d'exil, faut-il encore sortir l'exil des Juifs? Je pense que c'est très facile à comprendre. Sortir l'exil des Juifs signifie changer sa mentalité d'exilé. La peur du goy, le besoin de la reconnaissance, et tout ce qui finalement est devenu la maladie de l'exil, qui n'est d'ailleurs pas un reproche. Pendant des millénaires, on devait faire attention quand on sortait dans la rue. Et donc automatiquement, c'est devenu notre seconde nature. On est né comme ça. Et donc c'est pas en une génération, en deux générations, qu'on va véritablement sortir l'exil de nous. Mais nos enfants déjà un petit peu moins, et leurs enfants encore un petit peu moins. Mais je rajouterais juste qu'il est absolument évident que ce n'est pas seulement le déplacement géographique qui est suffisant. La preuve, c'est qu'on a la Bible qui nous prouve, ça a d'ailleurs été le grand, grand, grand combat des prophètes, que même dans les générations où naissait en Israël, génération après génération, jusqu'à la destruction du premier temple, il y a eu pratiquement 1000 ans de présence, donc des générations qui sont nées en Israël, qui n'ont jamais connu le Galout. Qu'est-ce que les prophètes leur reprochaient? Très schématiquement, pourquoi vous avez peur des goyim? Pourquoi vous vous prosternez devant les goyim? C'était le grand reproche que faisaient les prophètes au roi, et tout ce que cela impliquait. Ce qui veut dire que cette attitude galoutique n'est pas forcément liée au fait qu'on a vraiment vécu
comme des exilés sur le plan géographique. C'est un état d'être, le peuple juif étant le plus petit des peuples, le seul à être à ce point différent de tous les autres, et devant croire en sa mission, malgré toutes les oppositions, tous les risques, et être seul contre tous, la peur de ne pas pouvoir réussir, c'est ce qu'on appelle l'exil moral d'Israël, dont l'une des conséquences peut être l'exil physique. Mais l'exil, en vérité, est un état d'être qui signifie que nous ne croyons pas véritablement que nous pouvons réussir notre projet alors que toutes les nations semblent s'y opposer. C'est valable même lorsque l'on est en Israël. On peut avoir un esprit galoutique et encore une fois, sans les juger qu'à Dieu ne plaise, nos dirigeants et quantité d'autres sont là pour le prouver, sans les juger qu'à Dieu ne plaise. Je parle de faits, je ne porte pas de jugement. Donc, pour sortir cet esprit galoutique de nous, la seule possibilité, c'est de faire naître l'esprit de la délivrance. L'esprit de la délivrance est tout un sujet. C'est ce qu'on appelle la Torah d'Eret Israël. C'est ce qu'on appelle tout ce renouveau d'une Torah Hadasha, d'une nouvelle Torah qui doit se dévoiler ici en Eret Israël, qui commence à se dévoiler en Eret Israël. C'est tout un programme, c'est tout un renouveau, une Torah complètement nouvelle au niveau de son approche du juif, une Torah qui ne s'intéressera pas uniquement à ce que je dois faire ou ne pas faire, mais à ce que je dois être et ne pas être. Et cette Torah, qui est la Torah d'Eret Israël, qui a commencé déjà à se dévoiler ici en Israël, sera la Torah qui va véritablement nous délivrer lorsque notre peuple comprendra enfin que fondamentalement, la plus grande des clés ou le plus grand des messages que nous transmet la Torah, c'est l'esprit de la loi. C'est-à-dire comment, grâce à la loi, nous nous construisons intérieurement et nous devenons véritablement des juifs de la délivrance. Et c'est cette Torah qui nous a manqué pendant des millénaires, qui doit se dévoiler ici, en Eret Israël, et qui sera la Torah du Mashiach. Okay. Encore une fois, je crois que je peux parler au nom de vous tous pour remercier le Rav Dinovich de sa passion, de ses convictions, de sa vie. Monsieur Chouet, oui. Monsieur Anwar Fati. Vous avez un message extraordinaire. Pourquoi ce message n'est-il pas compris par la population ? N'est-il pas entendu dans le peuple ? Pourquoi nous entendons si peu à la télévision israélienne ? Pourquoi les Israéliens sont tellement absents de la Torah ? Et même ceux qui l'ont déjà dedans refusent d'accepter, vous dites, l'arrivée de service à, de servir à Tzahal, de service dans le travail quotidien de tout Israélien. Pourquoi est-ce que tous ces messages ne passent pas, que ça reste dans un petit cadre comme le nôtre? Un message comme le nôtre devrait être en Israël de manière extraordinaire. Pourquoi ce message ne passe pas? C'est la dernière question, la dernière réponse, car j'ai vraiment l'impatience d'écouter le professeur Benogros, que je suis venu écouter, que je veux écouter avec le plus grand intérêt. Donc, je termine en disant, c'est l'histoire d'un cultivateur qui avait planté une graine dans le sol. Et cette graine devait donner un arbre extraordinaire, porteur de centaines de fruits. Mais pour se transformer en arbre, il fallait attendre de nombreuses années. Alors le cultivateur était devant sa graine et toujours il disait « Mais pourquoi tu ne pousses pas plus vite ? Pourquoi tu ne pousses pas plus vite ? Pourquoi tu ne pousses pas plus vite ?» Patience. Nous sommes tous des graines. Vous, moi, un autre. Chacun qui réalise ce qu'il doit réaliser, au moment précis où il fait ce qu'il doit faire, c'est le tahalir de la graine. Et lorsque les choses passeront à une étape plus avancée, alors les choses changent et se transforment jusqu'à ce qu'on voit apparaître l'arbre. Donc, pourquoi je ne pense pas que la question est bonne. Le tahalir est là. Il y a déjà des dizaines, des centaines, des milliers de juifs ici et ailleurs qui sont conscients que quelque chose de nouveau est en train de se passer. Pas suffisamment, infiniment peu par rapport à l'ensemble. Mais patience, le monde a été créé sur le principe de la graine qui devient un arbre.
Et quand le temps arrive, la graine se transforme en arbre. Et donc pour l'instant, il y a des graines qui sont plantées dans notre peuple. Partout dans ce peuple, il y a la lumière de la Torah, il y a la lumière de l'étude, il y a la lumière de la pratique, il y a l'héroïsme de notre peuple, la beauté, l'héroïsme de nos soldats, l'héroïsme de nos dirigeants aussi, qui, malgré toutes leurs erreurs, font ce qu'ils peuvent dans cette situation difficile. L'héroïsme d'un peuple qui, après des millénaires de souffrance, se reconstruit sur sa terre, ce n'est encore qu'une graine. Mais croyez-moi, nous serons aussi la génération qui arrivera à recueillir les fruits de l'arbre qui sortira de cette graine. Merci encore. Je vous rappelle que les ouvrages du professeur Benoît Gross et ceux du Rav Dinovich sont à votre disposition, ils peuvent vous être dédicacés. Alors, vraiment, quelques instants, je vous en prie, pas plus, de dessert maintenant, en attendant l'intervention du professeur Benoît Gross. Donc on va vous servir du dessert, vous servir vous-même, je crois. Mais ne prenez pas trop de temps, s'il vous plaît.